Bonjour, c'est la première rencontre, premier match de notre grand tournoi du Club des Ingénieurs en cinquième année. Les équipes en forme aujourd'hui sont Papillon d'Or A de Val d'Or avec Édouard. Bonjour Édouard. Bonjour. Bonjour Édouard. Bonjour. Bonjour Elijah. Allô. Vous allez bien? Oui. OK. Et vous avez amené avec vous un fantôme, c'est sûr, qui va affronter avec vous-même l'équipe de Saint-Viateur A avec Charles. Bonjour Charles. Bonjour. Bonjour Alexis. Bonjour. Bonjour Bastien. Bonjour. Bonjour Marie-Christine. Bonjour. Vous allez bien aussi? Oui, oui. OK, tant mieux. Édouard, tu choisis entre mathématiques, instruments avant, sécurité incendie, mascotte, symbole, moyen de transport ou animal? Mascotte. Allons-y avec un vis-à-vis. Donc, Édouard et Charles, vous êtes les premiers à vous affronter. La première question, juste pour vous deux. Mascotte. Quel personnage imaginaire est habillé en clown et est un des symboles de la compagnie de restauration rapide McDonald's? Pour Édouard? Ronald McDonald. Ronald, lui-même en personne, c'est bon. Éloi et Alexis. Quelle ancienne mascotte des Expos de Montréal encourage maintenant les Canadiens de Montréal? Alexis? Youpi. Youpi! Tu ne l'as pas dit avec l'accent. Youpi! Youpi! OK, oui, c'est ça, exactement. C'est comme ça qu'il faut le dire. Et pour Bastien et Elijah, nomme cette mascotte qui représente officiellement le Carnaval de Québec. C'est trop long, c'est Bonhomme. Bonhomme Carnaval, c'est son vrai nom. Et Marie-Christine et les fantômes, quel personnage de légende est très en vue en décembre pour ses raccompagnements? Je suis pas sûr, mais le Père Noël. Non, c'est pas tout à fait ça. C'est Nez Rouge. Ah. Opération Nez Rouge, donc les raccompagnements avec Rudolf au Nez Rouge, c'est de lui dont on parle. Charles, est-ce qu'on va jouer sur des symboles, moyens de transport, animal, mathématiques, instruments avant ou sécurité incendie? Animal. Animal, c'est une identification, OK? Donc, on cherche un animal. Tout le monde joue? Un adulte de mon espèce mesure environ 5,30 m, mais peut atteindre 5,80 m. Pour Édouard? Un crocodile? Non, réplique. Non? Pour 30 points. J'ai deux petites cornes recouvertes de velours et à l'extrémité arrondie. Pour Marie-Christine? Je sais pas ça, mais un chevreuil. Eh non, c'est pas un chevreuil. Réplique. Pour 20 points, je vis principalement en Afrique. Bastien? J'ai une girafe. Oui, la girafe, 5,80 m. C'est haut, là, c'est plus haut qu'ici. 5,80 m avec deux petites cornes avec en bleu et les bourrons. En Afrique, et je suis le plus haut des mammifères terrestres, ma langue est bleue, c'est la girafe. Quoique, un crocodile, ça peut être quand même assez grand. Mais il n'y a pas de cornes. OK, on est rendu à Édouard qui cherche maintenant à jouer sur moyen de transport, symbole, mathématiques, instruments, avant ou sécurité incendie. Instrument avant. Ce sont des anagrammes, donc prenez votre crayon, votre papier. Fait que dans la main qui tient le papier, tenez donc votre manette en même temps, ça va être plus proche, tu sais, c'est plus facile, plus rapide. Voici les lettres et on cherche les instruments avant. O, E, E, M, P, R, T, T, T. Édouard. Trompette? Oui. Le prochain. A, I, E, E, C, N, R, L, T, T. Alexis. Clarinette. Clarinette, c'est bon, le troisième. A, E, O, O, H, N, P, S, X. Édouard. Xylophone? Non, réplique. Bastien. Saxophone? Saxophone, oui, le dernier. Toujours dans les instruments avant. A, E, accent aigu. O, O, C, C, D, R, N. Édouard. Accordéon. Accordéon, c'est si beau l'accordéon. Charles. Parle de mathématiques, sécurité incendie, symbole ou moyen de transport? Moyen de transport. Ce sont des chassés-croisés. Édouard, tu affrontes Marie-Christine. Pour la première question,
Quelle variété d'embarcation que l'on utilise sur l'eau fut créée par les Amérindiens? Édouard. Le canot. Oui, le canot d'écorce en particulier. Maintenant, il y a des nouveaux matériaux, mais c'est le canot, c'est bon. Pour Éloi et Bastien. Quel est le meilleur moyen de transport dans un désert? Bastien. Le chameau. Le chameau, bien sûr. Ça peut être un dromadaire aussi. C'est le genre de bébite. En effet, Elijah et Alexis. La question est plus longue. Quelle particularité avaient les caravelles utilisées par Christophe Colomb pour explorer le Nouveau Monde? C'est quoi une caravelle? C'était des voiliers, des bateaux à voile. Et pour le fantôme et Charles, quel nom désigne un véhicule sans moteur qui est tiré par un autre véhicule et qui sert à des fins utilitaires? Vas-y. Une calèche? Non, c'est une remorque. Pas de moteur. OK. On est rendu à qui? Là? Édouard, à Charles, à trouver. C'est pas rendu à moi? Ah, ça, je peux, là. Alors, Édouard, mathématiques, sécurité incendie, symbole. 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 Tout le monde joue? Ce sont des collectifs. Quelles trois lettres forment le signal international de détresse? Édouard. SOS. Oui. Deuxième. Quel est le symbole chimique de l'eau? Édouard. Là, Réplique pour Marie-Christine. H2O. H2O, c'est bon. Troisième. Quel oiseau représente le symbole de la paix? Pour Bastien. Une colombe blanche. Oui. Et quatrième. Quelle couleur symbolise la pureté? Édouard. Le bleu. Non. Réplique. Bastien. Charles, ça dit? Vert. Non, c'est blanc. La colombe est pure aussi. Fait que la colombe blanche. C'est blanc qui est le symbole de la pureté. Charles, est-ce qu'on va parler de mathématiques ou de sécurité incendie? Mathématiques. Et c'est collectif encore. En géométrie, avec quel instrument peut-on tracer un cercle? Normalement, Édouard? Un compas. Oui. Tu sais, tu pourrais utiliser n'importe quoi, hein, mais c'est plus facile avec un compas. Deux. Comment nomme-t-on le résultat de la soustraction? La différence. Alexis. Oui, après que je te nomme encore des fois. Le reste ou la différence, c'est bon. Troisième. Comment écrit-on le nombre 5 en chiffre romain? Pour Édouard. Oui. Oui. Et 15 minutes représente quelle fraction d'une heure? Édouard. Un quart. Un quart, c'est bon. Il nous reste sécurité, incendie. Et c'est encore une série collective, donc tout le monde joue. Pourquoi ne doit-on pas jouer avec le feu? Mais parce que, Éloi? Ben, parce que ça peut faire créer un feu. Ça peut faire un gros feu de maison. Exact, parce qu'on peut provoquer un incendie. Et en même temps, tu pourrais brûler aussi. Moins intéressant, mais aussi. Deux. Que doit-on avoir à la maison pour nous avertir en cas d'incendie? Édouard? Un extincteur. Non, réplique. Pour Bastien. Un détecteur de feu. Oui, c'est bon. De fumée, de feu, etc. L'extincteur aussi, c'est très utile, mais ça ne nous avertit pas. Il est trop tard. Troisième. Combien de fois par année doit-on changer les piles d'un détecteur de fumée? Éloi. Une fois par année. Pardon, je m'entends bien. Une fois par année. Une fois? Non, réplique. Non. Pour Marie-Christine. Deux. Deux fois. Quand on... Ben là, ce n'est pas vraiment vous, mais vos parents devraient changer les piles quand on change l'heure, tu sais, au printemps, puis à l'automne, c'est à peu près bon, ça. Deux fois par année. Et quatre, vous leur direz, OK? Promis? Oui, oui, OK. Lors d'un incendie, pourquoi faut-il fermer les fenêtres? Hein, ouais, Édouard. Pour pas que le feu, il prenne dehors aussi? Non. Réplique. Réplique en haut pour l'équipe de Saint-Viateur. Bastien? Parce que l'air, ça va faire que le feu va devenir plus puissant. Oui, ça évite les courants d'air et ça permet de contenir le feu. C'est ça qu'on cherchait. Quand il y a trop d'air, le feu prend de la vigueur. Alors, c'est la fin du premier bloc. Nos juges sont en train de calculer. Et pendant qu'ils calculent, nous, on va continuer parce qu'on n'est pas pour les attendre là-dessus. Alors, c'est Charles qui choisit entre... Bande dessinée, Astérix et Tintin, informatique, inventeur, sport
Proverbe, Pokémon ou cuisine? Bande dessinée. Bande dessinée, Astérix et Tintin, c'est le rachat. Alors, le rachat, première question à Édouard, 20 points pour une bonne réponse. S'il n'y a pas une bonne réponse, quelqu'un de son équipe peut le racheter pour 10 points. Alors, Édouard, quels sont les deux compagnons de route d'Astérix? Obélix et Assurance Tourix. Non. Quelqu'un le rachète dans son équipe? Laja? Obélix et le petit chien d'Obélix. Y a-t-il un nom? Oh non, c'est IDFX. Oui, c'est bon. Qui a dit IDFX? Moi. Ah! Fait que, c'est ça, c'est une citation. Fait que, c'est pas de point. Édouard, nomme le chef de la tribu des aventures d'Astérix. Rachat pour Édouard. Astérix? Eh non! Abra Raccourci, c'est notre chef. Oh. Ouais, Elijah. Quel est le principal handicap physique du professeur Tournesol? Édouard? Il est sourd. Il est sourd pour 10 points. Et n'importe quel des trois joueurs pour le rachat du fantôme. Quel était le métier d'Archibald Haddock dans les aventures de Tintin? Édouard? C'est un capitaine de bateau? Exact. Capitaine. Marin, matelot, etc. C'est bon, on s'en va avec Saint-Viateur. Pour Charles, quel est le métier de Tintin? Inspecteur. Pardon? Inspecteur, non. Rachat dans l'équipe. Pour Bastien? Détective. Non plus. C'est un reporter. Ou un journaliste, là, mais reporter. Deuxième question pour Alexis. Comment se nomme le chien qui suit toujours Tintin? Milou. Oui, c'est bon pour 20 points. Bastien, lorsque le barde Assurance Tourix chante, que font les gens avec du persil? Ils se bouchent les oreilles. Oui, ils bouchent les oreilles avec du persil. C'est bon pour 20 points. Et pour Marie-Christine, quel était le nom de la ville de Paris à l'époque d'Astérix? Rachat. C'est bon? Rachat dans l'équipe? Ça s'appelait Lutèce. Alors, Lutèce était le nom de la ville de Paris dans les temps. Alors, pour le premier bloc, le résultat, c'était 160 à 110 en faveur de Saint-Viateur. Donc, c'est une partie qui est quand même assez serrée. On est maintenant avec Édouard qui choisit entre informatique Pokémon. OK, on est prêt. OK. Alors, Pokémon, c'est collectif, tout le monde joue. Quel est le principal Pokémon? Édouard. Pikachu. Oui. Je suppose que c'est ton héros. Pas tout à fait. OK, c'est bon. Non. Deuxième question. Que doit-on faire pour incuber les œufs dans Pokémon? Pour Édouard? On marche. Oui, c'est bon. Trois. Nomme l'évolution de Meowth. Édouard? Persien. Oui. Et quelle compagnie a développé le jeu Pokémon Go? Édouard? Game Freak? Non. Réplique. Avez-vous une idée? C'est la compagnie Niantic. Okay. On oublie les Pokémon et on s'en va voir Charles pour qu'il va choisir entre cuisine, proverbe, informatique, inventaire ou sport. 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 Alors, c'est un chassé-croisé. Donc, Édouard et Marie-Christine, on y va en sport pour la première question. Dans quel sport travaille un cadet? Édouard? Badminton. Non, cadet, Marie-Christine. En français, c'est un cadet et c'est au golf. C'est lui qui transporte les bâtons de l'athlète spécialiste. Deuxième question pour Éloi et Bastien. Dans quel sport retrouve-t-on, entre autres, Brendan Gallagher et Max Pacioretty? Pour Bastien. Le hockey. Le hockey, c'est bon. Elijah et Alexis. Si on te parle du tour de l'Abitibi, quel sport est associé à cet événement? Le cyclisme. Alexis, le cyclisme. Attends que je te nomme, Alexis, je vais me frustrer à un moment donné. Et pour le fantôme et Charles, quel sport se déroule en 9 manches avec 2 équipes composées de 9 joueurs chacune? OK, alors c'était fantôme,
c'est pas plus. C'est le baseball ou la balle molle, c'est correct aussi. Édouard. Inventeur, informatique, proverbe ou cuisine? Inventeur. Allons-y, c'est une association. On va vous distribuer une petite feuille. Et sur cette feuille, c'est marqué qu'il faut associer l'inventeur à l'invention qu'on lui reconnaît. Et on a, on va vous donner des petites feuilles que voici. Ça va là. On vous remet des feuilles pour l'association. Vous écrivez d'abord votre nom d'équipe sur la feuille et ensuite, on y va. Vous associez l'inventeur à son invention. On travaille. C'est moi, Alexander. Et les inventions sont le téléphone, le paratonnerre et l'ampoule électrique. Le Club des ingénieurs remercie ses commanditaires majeurs, entre autres la Commission scolaire Aricana et ses écoles, la CSST dans le cadre du programme Défi Prévention Jeunesse, le Club Richelieu d'Amos, Loisirs et Sports Abitibi-Témiscamingue, Énergie Famille, Solutions Documents du Nord et Desjardins. Et qu'est-ce qu'on fait quand on a fini? Qu'est-ce qu'on fait en écrit? Là, tu t'assures que tu n'as pas de faute d'orthographe dans ta belle petite ligne propre qui relie les deux choses, là, mais tu laisses la feuille sur le côté. On va aller la ramasser dans environ 2 secondes. C'est terminé. On ramasse la feuille. Alors, qui a inventé le téléphone? On dit que c'est... Alexander Graham Bell. Puis, il y a un autre monsieur qui est reconnu aussi, un autre Américain qui est reconnu pour son invention du téléphone quelques mois avant. Le paratonnerre, on l'associe avec qui? Benjamin Franklin. Et l'ampoule électrique avec monsieur? Thomas Edison. Thomas Edison, c'est bon. Alors, on est rendu à qui? Là? Je suis mêlé. C'est moi. À Édouard, entre... À lui. Charles. OK, Charles. Informatique? Proverbe ou cuisine? Informatique. Alors, ce sont des collectifs, tout le monde joue. Informatique. Quel mot québécois désigne le message expédié par Internet que l'on nomme email en anglais? Édouard. Un message? Non, réplique. Au Bastien. SMS? Non plus. Un courriel. Le courriel, c'était formé par du monde au Québec, hein? Courrier électronique. Courriel. C'est comme ça. L'anglais de ça, c'est SML. Email. SMS, c'est Small Message System. Ça se fait surtout par téléphone. L'autre, c'est avec les ordinateurs. Deuxième question. En 1981, quel petit appareil aidant à désigner une zone sur l'écran de l'ordinateur a été adopté en informatique? Édouard? Une webcam? Non. Un clic. La souris. Bon, la souris. Avant 1981, il n'y avait pas de souris. On faisait ça avec le clavier tout le temps. 3. Quel mot français désigne un écran d'ordinateur? Édouard. Une face? Non. Non. Réplique. C'est un moniteur. Le moniteur de l'ordinateur, c'est en fait l'écran. Et 4e question. Quel est le système immense de télécommunications informatiques qui a été développé au niveau international et qui permet d'accéder à des données de toutes sortes, texte, musique, vidéo, photo, grâce à un codage universalisé? Édouard? Google? Non. Réplique. Bastien? Internet? Oui. Fait que tu as toutes sortes d'affaires là-dedans. Quand on cherche, on utilise Google peut-être, mais Internet, c'est plus que ça. On est rendu maintenant à Édouard, c'est ça, ne me trompe pas, pour soit proverbe ou cuisine. Cuisine. Allons-y avec une collective. Quel café, spécialité italienne, est fait avec du lait mousseux et ça commence le mot par la lettre C? Charles. Cappuccino. Oui, il y en a du glacé quelque part aussi. Deuxième. Quel nom donne-t-on au biscuit chinois qui renferme un message? C'est pour Édouard. Les biscuits de bonne fortune?
Oui, mais là, ce que tu viens de me dire, c'est un mot, c'est un anglicisme. On va l'accepter parce que c'est des biscuits chinois, tout simplement, ou des biscuits de chance. Parce qu'en anglais, c'est fortune cookie, biscuit de fortune. Alors, ça veut dire chance. Mais c'est bon pareil, on l'accepte. Deuxième, troisième plutôt, dit, quelle est la particularité du lait écrémé? Édouard? Il n'y a pas de crème. C'est ça que ça veut dire, exactement. Écrémé, ça veut dire qu'il n'y a plus de gras. La crème a été enlevée. Et, quatrième, à quel pays associez-vous l'origine des sushis? Édouard? Le Japon. Oui, c'est bon. Et là, on finit avec des proverbes, et ce sera une série en vis-à-vis. Donc, Édouard et Charles, vous serez, ça sera votre dernière prestation aujourd'hui. Faites ça comme du monde. Complétez les proverbes suivants. Édouard et Charles, l'appétit vient en... Édouard? Mangeant. En mangeant, c'est bon. Alexis et Édouard, quand le chat n'est pas là, Édouard? La souris danse. Les souris dansent, c'est bon. Elijah et Bastien, on dit, c'est pas un proverbe, mais c'est un dicton, avoir la chair de... Poule. De Elijah. Poule. Poule. C'est bon. Et pour Marie-Christine et le fantôme, on dit aussi, pleurer comme une... Fantôme, non? Pleurer comme une madeleine, c'est une expression utilisée en français pour dire qu'on pleure abondamment, qu'on pleure beaucoup. Grosse peine, c'est comme ça. Merci beaucoup chez vous. Ah, j'oubliais. Avant de vous dire merci, il faut que je vante un peu nos joueurs qui ont dû répondre par écrit avant qu'on entre en onde à la question des jardins. Ça s'appelle la question prime. À quoi sert une activité de financement? Alors, ils avaient le choix entre A, rembourser une institution financière, B, avancer de l'argent pour un projet, ou C, trouver des idées pour un projet. Et qu'est-ce qu'on a eu comme réponse? On a eu toutes les bonnes réponses. Tous les joueurs ont répondu correctement. B, avancer de l'argent pour un projet. Et c'était la question qui porte sur l'épargne et la consommation pour le parc des jardins. Félicitations les joueurs. Et ça s'additionne aux points qui ont été accumulés pendant la partie. Et le pointage final? Et le pointage final de cette partie? Ouh, si c'est réservé. Papillon d'or, 250 et Saint-Gator d'Avance, 260. On va raconter tout ça, mais ce sont les calculs officiels. Félicitations, les joueurs. Merci beaucoup. Vous descendez et vous donnez la main, puis on va vous applaudir pendant ce temps-là. Tout le monde passe par là. Allez, prenez la main. Claque la main. Ouais, bravo.